Venez, on va en 22-22. Ahsoka, comme d'hab. Vous avez misé des kamas, et puis j'ai fait une vidéo récap de Sparty Dodge. Pour ceux qui connaissent pas. Bah ça, c'est parce que je suis hyper prévoyant, quoi. C'est sûr. Bienvenue dans Dofus Party Dodge. Le but du jeu est simple, une ligne d'arrivée est dessinée avec deux bombes roublardes sur une map en longueur et deux candidats équipent une ceinture Dodge en misant une certaine somme de Kama qu'ils espèrent rentabiliser en gagnant la course. La ceinture Dodge a pour effet légendaire de faire un déplacement aléatoire en début de tour. Cet event se déroule toutes les semaines sur Izel, alors soutenez votre poulain sur Twitch et que le plus chanceux gagne. Ok, Trey qui gagne, putain enfin quoi. Oh, le Wilkinson, Oria, tu vas te faire plaisir. J'ai la flemme de faire les quêtes, moi. C'est bon. C'est bon. Ce sera pour vous après, les gars. Alors, Quirrell Sram, qui joue pour Dumble Dodge. Vous avez une prédiction qui va se lancer? Allez, go, 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 Quirrell. Go, 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 on y va, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez, Auriat qui recule déjà. Ouais. Pour le moment, c'est pas très glorieux. Est-ce que on a des animes sorts si je mets le son? Non, c'est pas ouf. On a juste le bruit des pastours. Je pensais que la dodge, elle provoquait peut-être un bruitage. Ok, Quirrell qui passe devant Wilkin, enfin Auriat, parce qu'il a un Wilkinson. Ouais, vraiment, les deux sont au fond de map, hein. On va peut-être se réveiller, là. On se met du côté du toboggan. Ça fonctionne, Quirrell qui rush. Ok, Quirrell au mid-map. Quirrell à 5 cases, 4 cases pour Quirrell. Et on recule. Ah, dommage, dommage, dommage. On va mettre ça là, parce que Wilkin est vraiment en fond de map. Ok, 4 cases pour Quirrell. On recule. La petite latérale, on reste en mid-map. Ouais, pour l'instant, c'est pas ouf, hein. On est au tour 43, la partie était déjà terminée à ce moment-là, au combat précédent. Auriat, Lustana. Ouais, pour l'instant, Auriat est devant. Auriat a 4 cases. Latéral. 3 cases pour Auriat. Ok, 2 cases. Et on recule. Ouais. Et ça vire. Dommage. Et on retrouve le milieu de map. Par contre, Quirrell, vraiment, il était assez proche de la ligne, finalement. Et là, il retourne en fond de map. Peut-être un manque de confiance en lui. Ça peut arriver. Le Stana qui fonctionne, le Stana qui fait avancer Quirrell, Auriat, pardon. Ok, 3 cases pour Auriat. On fait latéral. Il est pas mal, hein. En vrai, ce Stana est vraiment pas mal. Et ça recule. Wesh, j'ai tapé une sieste à 18h, je viens de me réveiller. Trey, t'es cringe. Ça, c'est les suites de ta soirée d'hier, hein. Hier, on fait le Goulta avec Trey et Gris. Et en fait, on comprend pas. On entend des boum 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 en fond. On entend ses potes qui parlent d'after chez Trey. Pendant les matchs Goulta, hein. Vraiment un déchet. Ok, égalité. Quirrell qui est bien revenu là. Et ça recule à nouveau. On est au tour 106. Ouais, Auriat qui passe devant Quirrell. 5 cases pour Auriat, 6 cases nouveau. Et on recule. On recule. Ça se bloque là, ça se bloque de ouf. Ok, ça se décante. Pas trop non plus. On rejoint le mid-map du côté d'Auriat. Là où Quirrell recule complètement dans le fond. 4 cases pour Auriat, 3 cases pour Auriat, what the fuck le rush. 4 cases. Et la latérale. 3 cases pour Auriat, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? 2 cases pour Auriat. Il se passe quoi là le chat? Ok, latéral, 2 cases à nouveau.
Bah mais what the fuck. Une case pour Auriat. Ok, latéral qui fait mal. Et c'est gagné pour Auriat. Ouah, ce rush de ouf. Et on s'y attendait pas, hein. Allez, petit rush, Torcoq qui prend l'avantage. Donc, 52% pour Original, 48% pour Torcoq. Ouais. Au coude à coude, hein, pour le moment. Au coude à coude, Original qui a fait un petit rush. 5 cases pour Original, 5 cases à nouveau. Ouais, Torcoq qui se met du côté du toboggan. 3 cases pour Original, what the fuck, le rush. 2 cases au tour 16. Oh, ça a été si vite. Une case pour Original, une case à nouveau latéral. Une case encore. Ah, dommage, Original, j'ai l'impression que la dodge est de troll, là. Ok, Original, il a fait toute latérale, hein. Quel loser. Ok, à nouveau Original. Et non, on se coince du côté de la bombe. 2 cases, hein, ceci. Ils sont très très proches. Ouais, on glisse du côté de Torcoq, on glisse du côté du toboggan. 3 cases à nouveau pour Original, c'est pas de la merde. 2 cases à Original, peut-être que avec un peu de chance. 3 cases, 2 cases pour Original. Ouais, une case Original. La latérale encore. Encore. Et c'est gagné pour Original. Purée, mais c'était un speedrun de ouf. Bien joué. Allez, Torcoq, tu viens de perdre toute la confiance des viewers, là. Les mecs, c'était plutôt chaud au départ pour soutenir Torcoq, et c'est vrai qu'il nous a mis bien pour le premier match. Mais là, on voit, c'est la descente aux enfers. Non, il faut dire que Original, il a été particulièrement chanceux, hein. Donc, 1 million de Kama. Bien joué. Il faut un joueur pour Dumble Dodge. Ok. Champy prend un léger avantage. Très très léger. Guinoir qui se coince. Guinoir qui recule. Ouais. Champy encore devant. Malgré tout, on est en mid-map, donc c'est pas un truc de fou non plus. Ok, vas-y, 5 cases pour Champy. Et on fait des latérales. Ouais, 3 cases pour Champy. Latéral. Ok, 2 cases Champy, what the fuck. Une case pour Champy. Attendez, on est au tour 22 là, il y a déjà un gagnant. C'est n'importe quoi. Bien joué Champy. Et puis pour toi Guinoir, pas de bol. Faudra peut-être attendre Guinoir 2. Guinoir 1, Guinoir 2. Alors Soren, je te retiens. Pour 2 millions Soren. Ok, je te passe à Dodge après. Mais il va falloir trouver quelqu'un pour 2 millions aussi, hein. 45-55. 57-43. Il y en a un qui a mis masse touffe là sur Soren. Ok, près de 400 000 touffes sur la table. Bonne chance à vous. Et on peut commencer. Pardon, j'avais pas mis mon truc. Ok, pour l'instant, on fait sur place. Alors, je rappelle, les deux se battent pour 2 millions chacun, donc 4 millions dans l'échange. Ça commence à être une somme, hein. 4 millions de Kama, ça fait quoi 4 millions de Kama? Bah, 4 millions de Kama, c'est environ le prix d'une Dodge, si je dis pas de bêtises. Alors, ce serait bien qu'un jour j'ai peut-être 4 Dodge. Comme ça, on fait une belle ligne. Ouais. Ce serait n'importe quoi, hein, 4 Dodge. Bon, allez, Soren qui prend l'avantage, Soren qui passe devant Vladimir, 5 cases pour Soren, Vladimir qui se met du côté du Stana, le Stana qui marche pas, non, ça le repousse. Par contre, Soren qui reste en mid-map, Soren plutôt stable, hein. Il s'est stable ou pas? What the fuck, Soren, 2 cases pour Soren, latéral. Ok, on recule. Ouais. Ah, Vladimir en sueur, là, en sueur de ouf. 2 cases pour Soren, Vladimir qui a 1000 GG, il est où Vladimir? Ah ouais, d'accord, vraiment à l'opposé quoi. Ah stop. C'est gagné, même s'il est pas mort. C'est gagné pour Soren, ça a été hyper vite. Eh, 37 tours, ouais, c'est speedrun aujourd'hui, hein. Y'a pas de T400.